pile fois, à chaque fois que vous entendez parler de assainissement, vous toujours mettez en tête que c'est mettre mon travail pour être capable de faire un petit assainissement là. Assainissement, n'a pas parlé aujourd'hui, ce n'est pas type d'assainissement ça. C'est un assainissement, côté que on a parlé, c'est une démarche qui visait pour capable désigner ensemble de moyens pour faire, pour capable collecter, transporter et traiter déchets liquides et déchets solides. Vu que en Haïti, nous gagnons deux institutions, jusqu'à trois institutions qui occupent de questions de gestion de déchets. C'est DINEPA qui occupe de gestion de déchets liquides, gagnent SMCRS qui occupe de gestion de déchets solides. Déchets solides en Haïti, répartis, nous sommes capables de répartir en plusieurs catégories, mais nous avons mis en deux. Gagnent déchets organiques que nous sommes capables de mettre à 72%. Et gagnent déchets et recyclables qui à environ 28%. Donc les déchets recyclables, ça y est. C'est métaux, c'est carton, c'est papier, c'est tissu, c'est plastique et bien d'autres choses. OK? Et gestion de déchets solides, et nous produisons environ 6200 m3 de déchets par jour. Nous collectons environ 4200 et nous avons environ 2000 qui ne sont pas collectés. Reste ça, jeter. Et dans l'Avignon, dans l'Egouyo, et bien écrité dans la rouille. Ok, nous, c'est dire. Sur position journalière 6200 m3. Yes. Vous collectez 4200, donc vous collectez 3000 ou même, c'est que vous arrivez à collecter 1200. Yes. Ensuite, 2000 là, j'étais dans la ville avec dans l'Egou. Yes. Et vous n'avez pas à collecter l'autre 2000 là. Eh bien, un peu plus loin, nous prenons le web, nous mettons des conditions, nous demandé pour yon ba nou moyen logistique pour nous capables de collecter l'autre 2000 là. Pour me répondre avec question premier ministre là, slide ça rapide nous en pile. Jodi an SMCRS en 2010 SMCRS te gen environ 48 compressifs. Il te gen environ 24 bascules à Olof. Il te gagne environ 9 engins lourds. L'un des engins lourds là, c'est l'odeur, bako l'odeur et doseur, genre de choses ça. Yo. Et le temps pour nous t'est arrivé, nous-mêmes, à la tête de l'institution, environ 2 ans et demi, 3 ans après, te gagne environ 40% de l'équipement ça qui n'est pas fonctionnel. Donc, jodi an, nous gagne environ en combinaison de tout matériel ça yo que nous sommes capables d'évaluer entre 39 à 41 de équipement ça yo. Mais pour nous capables de collecter tout déchets yo, nous avons besoin environ 120 dans l'équipement ça yo. Nous avons besoin en combinaison de l'équipement ça yo qui monte à environ 120. Mais nous gagnons un tiers en fonction de l'équipement ça yo. Et un tiers ça, il n'y a pas passé nous un jour pour nous pas gagner 3 à 4 là-dedans yo. Qui rentre en panne. Et 3 4 là dans qui rentre en panne suivant panne là, il capable prendre 1 semaine jusqu'à 2 mois pour nous. OK, mais qu'ils ont besoin pour nous capable résoudre problème ça. Problème ça, nous besoin un, c'est-à-dire nous qui t'en remettre à ministre travaux publics là, on demande d'pour faire achat de quelques matériels pour nous et ça fait quelques temps depuis. Combien de matériel? Et nous gagnons environ 12 et que nous demandons pour le moment. Vu que nous avons contrainte que qui gagne contrainte économique, nous ne pensons pas que nous avons tout ça nous besoin en même temps. Mais nous gagnons environ 12 que nous demandons que nous pensons qu'il est urgent, qui est capable de permettre nous de faire travailler avec une performance qui est capable de commencer à attaquer et reste 2000 ça que nous avons besoin et ramasser.